À l'époque, ça s'appelait pas Teranga, mais la première fois que j'ai fait un concert avec les handicapés, les personnes handicapées, c'était avec Babacar d'ailleurs. On était au Palais des Congrès, ça doit bien faire une dizaine d'années. Et à l'époque, il y avait une quinzaine d'handicapés qui étaient derrière avec des percussions d'ambiance. Nous, on était devant, on devait être quoi, 6-8 musiciens professionnels. Et puis la vie a fait que on m'a demandé de travailler dans les ateliers. Donc j'ai commencé à travailler dans les ateliers une fois par semaine. Et puis on m'a donné le projet de concert. On m'a dit voilà, maintenant, on a un concert, c'est dans un an. Et on voudrait faire donc ce mélange musiciens professionnels et musiciens handicapés. Et je me suis dit bon, ce qu'on fait déjà c'est bien, mais il faudrait qu'ils soient plus devant, parce que là ils étaient vraiment derrière, qu'on les mette plus devant et puis qu'au niveau musical il y ait plus de cohérence, c'est-à-dire qu'ils soient moins dans l'ambiance et plus dans l'énergie rythmique. Et après je me suis posé la question, mais quel est le liant en fait, qu'est-ce qui va pouvoir lier les personnes handicapées et les musiciens professionnels? Et à force de me creuser les ménages, je me suis dit, mais bien sûr, c'est la pulsation rythmique, le métronome. C'est, on va dire, c'est un peu le trait d'union universel pour tous les musiciens. Teranga, ça veut dire hospitalité, échange, c'est rencontre, c'est l'étranger, recevoir, l'art de recevoir l'étranger. Alors, Teranga, c'est né d'abord du projet du musicien, des musiciens, mais surtout de Michael, donc, qui a, on peut dire, tout à fait porté ce projet-là. C'est né aussi du fait qu'on avait vraiment envie de pouvoir un petit peu promouvoir ce groupe avec lequel on travaille depuis plus de 15 ans dans l'association, et parce qu'on avait vu aussi qu'il y avait des progrès magistraux et qu'on avait très très envie de faire découvrir d'une part leurs compétences musicales, mais aussi leur convivialité, leur générosité, enfin tout ce qu'ils portaient en eux et dont ils pouvaient porter témoignage. Voilà. J'ai essayé de garder dans Teranga un équilibre entre cadrer, tenir et lâcher. Ce qui veut dire que par moment, il peut y avoir un des gars qui veut faire un solo, il y va, ou qui veut prendre le micro, il y va, il veut danser, il y va, et après il revient à sa place. Et c'est un peu ça la force du concept Teranga, c'est qu'ils se lâchent, mais en même temps, ils reviennent. Ce qui est un peu le problème des fois des personnes handicapées, c'est de les cadrer. Voilà, et cet équilibre-là, il fonctionne bien. La devise de l'association, c'est d'accepter tout type d'handicap, quelle que soit l'importance, la gravité de l'handicap. Donc bien sûr, y a un certain nombre de jeunes ou d'adultes avec lesquels on ne peut pas faire de concert. Par contre, c'est aussi un moyen de se découvrir entre groupes. Et il y a parfois des jeunes qui viennent de foyers, des jeunes polyhandicapés qui viennent d'autres foyers, qui viennent assister à des concerts comme Teranga. Voilà. Et ça, ça leur apporte beaucoup. Teranga, moi ce que j'aimerais, c'est toucher un maximum de public, c'est faire des festivals, pourquoi pas jouer à l'étranger si on peut. Vraiment, c'est un projet qui mérite d'être diffusé au plus grand nombre. Jouer devant Obama. Yes, we can. Yes, we can. Bon, ça commençait, c'était un sacré bordel. Chacun faisait sa pulsation. Donc je me suis dit, bon, il faut partir de la pulsation de chacun. Donc je les prenais un par un, je travaillais, je disais, vas-y, fais la pulsation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au fil des séances,
quand je leur disais, vas-y, refais la pulsation, ils prenaient la même pulsation que la semaine d'avant. Je me suis dit, ou il a une mémoire phénoménale, ou alors il y a un truc. Rendu compte en fait que chacun avait sa pulsation et qu'on pourrait généraliser ça même aux musiciens, à tout le monde, on a notre pulsation intérieure et cette pulsation elle est plus ou moins reliée au caractère, au, si le gars il est un peu speed ou un peu tranquille. Et après je me suis dit bon bah voilà, faut partir de la pulsation de chacun pour l'amener à aller plus vite, à rejoindre la pulsation de l'autre ou aller plus lentement si c'est une pulsation speed. Travailler comme ça, plus vite, moins vite, avec l'autre, sans l'autre, et puis peu à peu, je dirais, il a fallu 9 mois, 1 an pour arriver à avoir une cohérence sur on va dire 50% du groupe, ce qui est énorme pour des trisomiques. Et à partir du moment où j'ai réussi à avoir un peu cette cohérence rythmique, après je me suis dit, bon, ceux qui n'ont pas les moyens de faire ça, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Et donc là, je me suis dit, bon, bah, les ambiances, les maracas, tout ce qui va amener un petit grain, une petite couleur rythmique en plus. Et puis, il y avait le cas de Christophe, qui lui a bon, une autre forme de handicap, et qui s'est retrouvé dans la ponctuation rythmique. Donc on l'a mis au cymbale et comme il suit bien la musique, il pouvait ponctuer ce qui se passait, le volume et puis les interventions, tout ça. Au début, il commentait la fois comment, après il a travaillé avec ça, un, démonté, après, t'as été bon. Ça y est, c'est bon. T'as bon, t'es bon, je vais avec les pros maintenant. Voilà, après c'est bon. T'es bon, voilà. T'es rentré dedans. Et bien avant les mains, t'es coincé, tu peux pas jouer comme il faut. Ah oui? Non, t'es mou les mains. T'avais les mains, t'étais molle. Ouais. Molle. T'avais du mal à le servir les mains. Oui. T'avais les poignets bloqués, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec la musique, ça m'a tout décoincé. La tête, les prix, elle va arriver, il ne faut pas laisser tomber. Ouais. Après, elle m'a travaillé à fond avec toi. Et après, toi, elle m'a récupéré dans le groupe. Après, et après, c'est bon. C'est bon. Et maintenant, tu peux te servir de tes poignets. Oui, les deux. Et au début. Fais voir comment tu te sers tes poignets. Vas-y, fais voir. Bon, notre vocation essentielle, c'est de faire des ateliers dans des établissements spécialisés, des maisons de quartier. Mais on s'est rendu compte depuis longtemps, hein, depuis même le début de l'association, que monter sur scène était très très important, en particulier pour les adultes handicapés, et que donc c'était vraiment quelque chose de fondamental pour eux. Donc on s'efforce et puis c'est aussi un moyen d'ouvrir sur l'extérieur, un moyen d'échange entre divers groupes, entre diverses institutions où nous avons nos ateliers. Après, la deuxième étape, ça a été un peu les solos. Parce que là, par le biais du travail de la pulsation, on a réussi à les cadrer.
Et après, il a fallu qu'il passe un petit peu devant pour lâcher l'énergie qu'il retient depuis un moment. Et donc, on a trouvé cette formule de solo, où chacun vient à son tour faire un solo. Donc, on a travaillé les solos dans ce sens-là, pour que là, il puisse s'exprimer vraiment librement, en parallèle avec Christophe, qui ponctue au cymbal. Côté très détendu. On sent parce que eux n'ont pas du tout de pression. Souvent quand on va jouer, que ce soit sur son projet ou sur le projet d'autres personnes, on sent toujours la pression d'essayer de faire au mieux, et souvent ça a plus tendance à nous inhiber qu'autre chose. Et en fait avec eux, pas du tout. En fait, eux ils sont tout à fait détendus, ils sont très contents de se produire, ils n'ont pas du tout peur de jouer. Bon, il y a toujours un petit peu de trac et tout, mais c'est très sain. Et en fait quand on se retrouve à jouer ensemble, ça passe comme une fleur en fait. Intérêt énorme pour la musique, comme tout le monde d'ailleurs, ah, oui, mais le fait de la pratiquer et puis d'être en plus apprécié et mis en valeur par l'intermédiaire de la musique, ça leur apporte énormément de fierté, de reconnaissance de la personne. C'est extraordinaire pour eux, c'est le succès, tu le disais il n'y a pas longtemps, ben voilà, ils connaissent le succès, ils sont comme tout le monde et ça leur fait très très plaisir. De toute façon, plusieurs fois, ils se comportent presque comme des stars, oui, hein, ils saluent, ils se présentent les uns les autres. Et, récemment, ça fait un an, j'ai rajouté le clic, c'est-à-dire je branche un métronome, je le mets à l'oreille, et puis je joue le clic avec la cloche, et je leur demande un à un, je fais un travail individuel pour qu'ils suivent le clic. Je me suis rendu compte que même en jouant ensemble, finalement il y en avait un ou l'autre qui prenait le truc d'assise rythmique et qui n'était pas forcément la bonne assise rythmique et qui entraînait les autres. Donc le on peut dire le moyen pour qu'ils ne s'appuient pas sur eux-mêmes, mais qu'ils soient avec le tempo, c'était travailler sur le clic. Et bon, je pensais pas au début, j'ai commencé à ce que le travail du clic pour les musiciens, c'est un travail qui est assez difficile. Travail de longue haleine, je me suis dit oula, dans quoi je m'embarque. Puis bon, voilà, on a essayé, et finalement petit à petit ils se sont mis dans le clic, et aujourd'hui en atelier en tout cas ils tiennent le clic, et ça c'est impressionnant. Allez, je te mets du 208 à la blanche. Thank you.
Ok, super, impeccable. Super, bravo Léa, parce que t'as tenu la pulsation, même si c'était doucement. Super. Moi, je suis pas arrivé au début du projet, en fait, Teranga, et quand je suis arrivé, il y avait déjà quelques années de travail avant. J'ai d'abord commencé, je crois, par faire un atelier ou deux avec eux. Et ça s'est passé très très bien. Il y avait une super énergie. On sent qu'il y a... Voilà, c'était vraiment la sincérité. Moi, c'est vraiment des points très très forts qui m'ont vraiment touché sur ce projet. C'est que il n'y a pas de... C'est la vérité. Voilà. Tu arrives, tu joues, tu fais la musique avec des gens qui ont zéro complexe, qui ont... voilà, c'est magnifique. J'aimerais que les concerts arrivent à passer peut-être davantage sur des scènes un petit peu plus conventionnelles. Jusqu'ici, le projet est plutôt orienté sur des scènes qui sont vraiment pour le handicap, des choses comme ça. Moi, j'aimerais bien essayer de continuer dans cette voie-là, mais aussi, parallèlement, d'arriver à mettre le projet sur d'autres rails pour faire un petit peu évoluer les mentalités aussi. On a tous beaucoup d'idées reçues. Moi, le premier, quand je suis arrivé dans Teranga, je ne pensais pas tomber sur une section rythmique qui tiendrait la route comme ça. Je ne pensais pas tomber sur des gens qui avaient une vraie capacité musicale. Donc ça a ouvert des perspectives, ça ouvre les yeux, ça fait évoluer les mentalités. Moi, j'ai envie que ça passe dans le maximum de voies générales possible pour que tout le monde puisse dire la musique, c'est fait pour tout le monde. Voilà. Et t'as progressé dans la musique ? Oui. Au début, t'étais moins marrant. Oui. Avant, c'était moins bien. Oui. Maintenant, aujourd'hui, t'es bien. Hein ? Ouais. Et l'année prochaine, tu veux continuer la musique ? Ouais. On se regarde ? Oui. Le regard ? Ouais, là. Écoute. L'écoute ? Écoute. Très important, l'écoute. Autour, écoute. Le regard, l'écoute. Écoute. Et la patate. Attends. Yeah. Yeah. Déjà, ça joue plus ensemble, il y a plus d'écoute. Il y a plus d'écoute. L'écoute les uns des autres et aussi des autres instruments, le saxophone, la basse ou le piano, qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre quand ils répètent entre eux. Et puis je trouve qu'ils prennent de plus en plus de plaisir à jouer au fur et à mesure qu'ils se sentent à l'aise avec leurs instruments, le rythme et les morceaux. Mais qu'elle dit, suit le guitare, la basse, écoute Michael pour la cloche. Moi, c'est pas pris le sujet. Il faut écouter la cloche. Écouter la cloche. Ouais. Moi, je suis quand même. Moi, je ne crois pas les autres, moi. Ouais. Moi, c'est quand même moi et Michael qui jouent. Voilà. Pour eux, monter sur scène, c'est vraiment fondamental. Hein, ça leur apporte aussi une reconnaissance de la part du public dont ils sont vraiment très fiers et très heureux. Hein, c'est incontestable. Moi, les concerts, il n'était que pas un concert, il vient directement un concert, il vient foutre tout le groupe, il commence à paniquer, c'est pas grave, ça t'est émotion. Et moi, le plus bli des mamans, ton plus bli peut pas faire la musique, ton plus bli. Bien sûr. Et le public, il est content? Ah oui, t'es content, les gens veulent nous voir tout le temps, Michael dans les lettres, demande. Ah oui, là, dans tout. Je fais partie de ce groupe pour leur expérience. J'ai tourné dans plusieurs groupes musicaux, mais ce groupe-là m'intéresse plus le côté social, échange, et basé sur l'expression vraie, sans gauche-droite, c'est franc. Quelque chose de franc basé sur la vérité
elle est plus intéressante. J'aimerais que le travail soit encore beaucoup plus approfondi, qu'on se fasse connaître un peu partout, parce que pour ouvrir le chemin de cette forme d'expression, d'échange, et que les handicapés, nous on pense, certains pensent que c'est des handicapés, ils sont incapables de faire, mais avec nous, on arrive à sortir des sons vraiment super, et avec les vrais musiciens, on n'arrive pas à l'atteindre. Parce que avec les vrais musiciens, il y a des choses qui se passent entre musicos, mais là, c'est l'amour, la vérité, la franchise, ça passe naturel, la générosité, le sourire, c'est génial. Avec la bouche plus. La répète était bon, le son, il faut parler le son, les lumières, t'es pas venu pour préparer le son. Jeudi dernier a préparé le son pour mettre la balance, t'es pas venu. Les musiciens professionnels se sont maintenant en nombre restreint, hein, et ce sont nos musiciens handicapés qui ont pris la première place. Et ça, je crois que quand on a connu le début et quand on voit maintenant l'achèvement, entendons-nous bien, hein, il y a encore de beaux espoirs pour le groupe, hein, et une longue vie. Mais quand on voit le niveau auquel ils sont arrivés, on mesure tout le chemin parcouru, quoi. Voilà. Woo!